Seigneur de gloire, Dieu tout puissant, tu es bête et que les y a des années, moi si na yo, biso loko la bina maya zoto, de to segi la la tango oyo kolo, okita oloba, poisa na mobali mo susute, oya koki koloba pe moi si na yo, ayoka kimia sai na motema, obele yo Yesu, utilisez mon bon sali na yo puissamment. Pour la tina na kolobe la biso fungola mayele na biso si manazanga ya lelo di susu kolom la tina ete di teo ito ezako te isama moko na moko azala na facilite ya ko sosola ya mope ko biki la ako merci po ete yo okipe yo ko sana na bonde liyo na kombo na Yesu Kristo ye moko ntime mo biki si na biso lobi amen amen to pete di lo banzambe maboko makasi pour télévision, mon pays en colo, et le voilà mon congo du pota, pour pas y accoter à Bissot, Sangobalam, Seko, Sangobalam, la Bomoy. Que la paix de Jésus-Christ soit dans chacun. Yesu ya bisibiso mokolo. Et Jésus-Christ qui nous a donné le jour d'aujourd'hui. Et ce moment. Lokumu ezonge banaye. Que l'homme soit rendu. Azanzambe na bomoi. Amen. Dieu vivant. Et l'autre a toujours le 2 décembre 2021. Aujourd'hui nous sommes toujours le 2 décembre 2021. Et nous croyons que le Seigneur ne nous a pas donné ce moment en vain. C'est parce qu'il a des projets sur ta vie. C'est pourquoi il t'a donné encore le souffle. Et il a rempli les désirs en toi de venir à sa rencontre. C'est que le Seigneur a toujours une œuvre à faire dans ta vie. C'est pourquoi en tout temps nous devons lui rendre des actions de grâce. Parce que ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Lecture Nabisso. Notre lecture, Tozana 7e saut. Nous sommes au 7e saut. Nakata 7e saut, Tozotala nano in semaine, Oezana Daniel 9, 27. Et dans le 7e saut, nous exploitons une semaine qui est dans Daniel 7. Daniel 9, verset 27e. Dans Daniel 9, le verset 27. On a facilité la compréhension de Nabisso. Pour bien faciliter notre compréhension. Natongo Tobanda qui déjà Daniel 12, verset 11 à 12. Le matin, on avait déjà débuté par Daniel 12, le verset 11 à 12. Et en gros, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. C'est pourquoi nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Seba pour les bonnes Nabisso. Et le pasteur Seba va nous aider avec la traduction. Par la grâce de Dieu. Daniel 12, verset 11 à 12.
Daniel 12, le verset 11 à 12. Depuis les temps où cessera les sacrifices perpétuels. Daniel 12, verset 11 et 12. Depuis les temps où cessera les sacrifices perpétuels. Uto lokola oyo mbeka yaseko ekosila. Et où sera dressée l'abomination? Et wapi ekote le misali baby. Les dévastateurs. Yamo baby si. Il y aura 1290 jours. Et kozala namibu kamamoko na tuku di bois. Mille. Et mibu koto moko na 200. Kamami bale na tuku di bois. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'au 1335 jours. Et c'est bon à Oyo, à Koyoka, Pe Oyo, à cause de la paix à Kokoma, qui nous a mis colo, Koto Moko, na Tukumisato, na Tukumitan. 1335 jours. Oui. Ok. Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Nous autambola surtout avec assurance que Nzambe nazo sukabiso. Nous marchons toujours avec assurance que c'est le Seigneur qui nous assiste. Tous les prophètes baloba nalolenge ezalani tatu ni moko. Tous les prophètes ont parlé de manière que leur toutes leurs paroles ne soient qu'un seul témoignage. Jésus-Christ alobaka nous disons ce que nous savons. C'est pourquoi Jésus-Christ dit tolobaka oyo biso toyebi. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc le plan que nous trouvons dans les Écritures saintes. Donc le plan que nous trouvons dans les saintes Écritures. Sont sillonnés dans Kataba prophète Nios. Si vous sillonnez dans tous les livres des prophètes. Chaque prophète a l'obaki. Selon grâce chaque prophète avait parlé selon la grâce que le Seigneur avait mise en lui. Jérémie chapitre 29. On avait d'abord commencé par montrer dans Jérémie 29. Jérémie message comment est-ce que Jérémie avait reçu le message provenant du Seigneur? Et lui était à Jérusalem. Mais d'autres compagnons du prophète étaient en Babylone dans la captivité. Notamment Ézéchiel, Daniel. Notamment Ézéchiel, Daniel. Les trois compagnons de Daniel aussi. Et les trois compagnons de Daniel. Et lorsqu'il a reçu le message, Jérémie l'a écrit. Son contact est déjà verset 1er et la deuxième. Si tu lis le verset 1er et 2, il y a Jérémie 29. Jérémie 29. Azo s'adressait à Batro Bazan en captivité. Jérémie s'adressait à ceux qui étaient en captivité. Il y a des prophètes. Et sache que parmi les captifs, il y avait aussi le prophète. Daniel. Ézéchiel, que nous lisons. Et tout le monde qui est verset 11e. Et on avait vu au verset 11. Le Seigneur dans la lettre wana oyo Jérémie azalani kokoma. Le Seigneur dans la lettre qu'écrivait Jérémie, alobi j'ai des projets de meilleurs pour vous. Nazali na mabongisi ya kitoko pour vous. Projets de paix. Mabongisi ya afin que vous allez en avenir meilleur. Oui, te vous allez na lobi ya malam. Ajoutez. Et il ajoute. Au verset 15e, il y a Jérémie 29. Au verset 15. Cependant, vous dites que Dieu vous assistait des prophètes à Babylone. Pourquoi à l'obaki Nengwana? Pourquoi Jérémie avait dit ainsi? La prophétie est la science de tous les mystères. C'est pourquoi Jérémie avait dit le Seigneur a des projets. Des choses cachées. Des grandes choses que tu n'as jamais connues. Cette écriture, Jérémie, Ézéchiel, Bazal et là. Cette écriture, Daniel et Ézéchiel en avaient appliqué. C'est pourquoi ton conseiller qui
La nature est la Bible. C'est pourquoi nous avions conseillé dans la nature biblique. Tous serviteurs na Bible alouent la grâce y a pas serviteur mususu dans les Écritures saintes. Et tout serviteur dans la Bible loue la grâce des autres serviteurs dans les saintes Écritures. Et ceux qui attendent Jérémie à quoi ils savent facilement que j'ai lu Jérémie. S'il avait lu Jérémie, te dira ouvertement que j'avais lu Jérémie. Et l'ongoli était Daniel. Et cela ne fait pas de lui autre personne. Tango Pierre azotanga Paul a commis vraiment dans lettre na ka tanga ki Paul. Et Pierre en lisant Paul a vraiment fait mention dans sa lettre qu'il avait lu. Et l'ongoli était Pierre. Cela ne l'avait pas fait une autre personne. Et cette reconnaissance, c'est comme ça que les serviteurs dans les Écritures saintes ont marché. Donc les serviteurs dans les saintes Écritures ont marché dans cette reconnaissance. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que na katia na yango tozo comprend. C'est que dans tout cela nous comprenons. Daniel 9, lorsque nous avions lu Daniel 9, on a vu au verset 3 et 4, Daniel a la mention à Jérémie, Daniel qui fait mention du prophète Jérémie, et qui lisait le livre du prophète et Jérémie, il a compris qu'il fallait esclave captivité na bango isa 70 ans. Il fallait que leur captivité puisse faire 70 ans. Parce que le nombre 70 ans isa na kati ya Jérémie 25. Parce que les 70 ans de captivité sont dans Jérémie 25. Verset 10. Le verset 10. Zamba détermina ki ke bango isa 70 ans na captivité. Le Seigneur avait déterminé qu'ils feront 70 ans en captivité. Mais na kati ya captivité wana, mais dans cette captivité, Dieu avait un projet au Jérémie a komaki. Le Seigneur avait des projets que Jérémie avait écrits. Et na kati ya ba projet wana, et dans ces projets là bien aimé, quand Daniel a lu, lorsque Daniel a lu les livres et à se mettre à prier, et qu'il s'est mis en prière, le Seigneur a baissé ma projet. Le Seigneur lui a révélé ces projets là. Les 70 semaines. Oezani ba poso tout kusa. Et bandi à partir du verset 24e à Daniel 9. Et cela commence à partir du verset 24 de Daniel 9. Tina, verset 27e. Jusqu'au verset 27. 70 semaines, Ezan a 4 buts. Et les 70 semaines ont 4 buts. Matumusu bakomisango 7. Ezalo les 6 buts. Et d'autres personnes prêchent 6 buts. Mais Ezan 4 buts. Mais c'est 4 buts. On a cité ses buts. Et dans le programme du Seigneur, Ezali Mabongisi Ankolo, Alomitina Oyazope 70 semaines. Il dit les buts pour lesquels il donnait ses programmes de 70 semaines. Nakatia programme Oyo Eza programme ya Israël seulement. Et ce programme n'est que pour le peuple d'Israël. Et nous ne sommes pas dans ces programmes. Amen. Verset 24. Maintenant, portion enseignement, tout ça qu'on a besoin, verset 27e. Maintenant, verset 24. Le verset 24. Tina yaba projet où ils en ont 70 semaines. Le but du projet de 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc l'ibota ya Daniel. Donc le peuple de Daniel. Israël. Le peuple d'Israël. Et la ville sainte. Donc 70 semaines pour le peuple de Daniel. Donc les 70 semaines concernent le peuple de Daniel. Et pour la ville sainte. Et aussi pour leur ville sainte Jérusalem. Oye bazolobela. Ville sainte Yamakolote. On ne parle pas ici de la Jérusalem céleste. Ville sainte Yassé. On parle vraiment de la Jérusalem terrestre. Ya Israël. Donc d'Israël. Des programmes Ezalikolo Nayambo. Et c'était le programme concerné cette ville-là. Tina ma programme en Ezani. Et quel était le but de ce pour faire cesser les transgressions. Pour n'accoser les sabobouka. Et mettre fin au péché. Donc c'est le premier but, un seul but. Parce que ce mot est dans 1 Jean 3, verset 4. Parce qu'en lisant 1 Jean 3, le verset 4. On définit la transgression. On définit c'est quoi la transgression de la Balobi, les péchés, les soumous. C'est la transgression. Donc mettre, faire cesser la les transgressions et mettre fin au péché, c'est le pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle.
Et c'est le comment. Donc c'est une seule chose encore. Parce que mais bah, il y a ce qui remplace justice. Et tous ces buts ne sont pas encore accomplis. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes. Donc c'est l'accomplissement et prophète dans ma projet la vision. Donc c'est l'accomplissement du prophète dans tout le projet de la vision du prophète. Parce que la vision c'est la prophétie. Parce que la vision c'est la prophétie. Il faut que la vision s'accomplisse. Il faut que la vision s'accomplisse. Mais dans la vision. Mais dans la vision bien aimée. Il y en a deux portions. Il y a deux portions. Messie régnant et sa vision. Parce que le Seigneur a Ebisaki Mariam na Aaron. Parce que le Seigneur avait dit à Myriam et à Aaron. Na nombre 12. Dans nombre 12. Alobi soki na tomboli prophète na kati na bino. Si je suscite parmi vous des prophètes, na kolobelaye na nzela ya songe. Moi, l'Éternel, je lui parlerai par vision. Par de vision. Donc, Atalisa Kike, Kolobanaye. Donc, il a montré que sa parole. Pour notre prophète. Pour d'autres prophètes. Et sa vision. Donc, ce sont des visions par des visions. Alors, on a verset 6, na 7, il y a nombre 12. Le Seigneur l'a dit au verset 6 et 7 de donc, nombre 12. La vie des prophètes. Au moins, il y a ma sapoli. Il y a son sapoli, il y a sa parole. La parole que Dieu donnait. Amen. On a nombre 12 devant Myriam ou bien Mariam na Aaron vision. Le Seigneur l'a appelé devant Myriam et Aaron comme des visions. Le lengue moko petangu ange yekope sa 70 semaines. Parole. D'ailleurs, lorsque l'ange est venu donner cette parole de 70. Alors, bani na verset 23e. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 23? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es bien-aimé. Sois attentif à la parole. Et comprends la vision. Donc, vision, c'est la parole. La vision, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais dans le programme de Dieu, il y a eu la nourriture qui était sur la table. Oyazaki homme riche. Donc l'homme riche. Azako kwe sa misusu. Il laissait tomber des miettes. Zora na malam. Amen. Azako kwe. Il laissait tomber. Ezaki na oyazako lia. Il y avait la nourriture qu'il mangeait. Et misusu azako kwe. Mais le miette est tombé de sa table. L'homme riche wana c'est Israël. Cet homme riche là c'est lui le peuple d'Israël. Donc la nourriture nous a bâti à la table. La nourriture que Dieu avait mise sur la table. Et ça, toutes les prophéties que nous avons besoin de prophètes. C'est toutes les prophéties données aux prophètes par le Seigneur. Maintenant, quand il y a ma prophétie, on a. Mais dans toutes ces prophéties. Et ça, dans ma prophétie, et ça, le temps où il y a un Zambé à moyen pour libérer Israël. Il y a des prophéties qui parlent du temps où le Seigneur viendra libérer Israël. Na ouais, dali ma prophétie wana. En ce qui concerne ces prophéties. À Kobota Maté. Jésus ne viendra pas par la voie du. Mais à quoi descendre sur la montagne. Descendra sur la montagne. Pour combattre les nations. Pour combattre contre les nations. Nakawana à Kobota Maté. Et dans ces temps-là, il ne viendra. C'est dans la vision. C'est dans la vision. Yangonde. Israël comme homme riche à Saïkolia. Et c'est ça la nourriture que Israël mangeait étant l'homme riche. Mais Oyazamo quoi sa table. Mais les miettes qui faisaient tomber de sa table. Et ça, ma prophétie sur le Messie souffrant. Ce sont des prophéties concernant les Messie souffrants. Naoué étant les souffrances à Christ. En ce qui concerne les souffrances du Messie. Programme naïe. Son programme. Une vierge deviendra sainte. Moi si mon condo à Koko Manassé. Enfantera un fils. À Kobota Mona Mobali. Vous aurez un malam. Amen. Ce fils-là a causé la comme un rejetant à David. Et moi, non, on est à mon bal et à cause la tête. À quoi paraître aussi comme une faible plante. Et à quoi il m'appelle au col à tête et à mon qui est. À quoi souffrir. Et il souffrira. À quoi bon maïe.
on les tuera. C'est dans la vision. Mais Israël a dit C'est pourquoi cette femme étrangère avait dit à Jésus, les petits chats, ils mangent les miens qui tombent de la table des enfants. Et c'est ce que nous, comme le Christ est crucifié, Israël l'avait rejeté. Il a jeté les miettes. Et ce sont ces miettes-là que le pauvre Lazare mangeait sous la table de l'homme riche. Parce que ça n'a pas bébé sur Lazare, la position Nathalie, ça Christ et Jésus lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus, parce que le pauvre Lazare représente Jésus-Christ lui-même. Et parce que Jésus aussi a mangé la volonté de Dieu. Pour Yesoupé, Alia, où est mon canon. Cette volonté, ça va le qu'il devait souffrir. Et cette volonté disait qu'il devait souffrir. Mais Israël n'avait pas accepté cela et l'a rejeté. C'est pourquoi Israël a zalaï kondimate que Nzambe na bokufa. C'est pourquoi Israël ne croyait pas que son Dieu pouvait mourir. Les créateurs des cieux et de la terre. Nzambe mukele konasi. Yazaki na ikambo na terre. Israël ne le croyait pas. Ozora na malam. Amen. Israël mangeait l'okomosus. Israël mangeait autre. Mais Israël était dans la vision. Mais c'était toujours dans la vision. Azalaki komona Messie na règne. Il voyait le Messie dans son règne. Dans le Messie Akoya. Lorsque le Messie vient, il va anéantir tous nos ennemis. C'est vrai. Et c'est un solo. Mais quand il était venu, il n'était pas encore venu pour faire cette œuvre. Il était venu pour mourir. Mais Israël a compris. Mais Israël ne l'avait pas compris, bien-aimé. Donc la vision, c'est la prophétie. Et quand tu vois la vision, c'est ça la prophétie. Comment est-ce que le Seigneur l'a préparé jusqu'à son accomplissement? Que Dieu bénisse. Amen. Mais portion n'a pas toujours là. Awa. Mais la portion que nous utilisons dans ce verset 27. C'est le verset 27. Tout à l'heure, déjà, on avait déjà montré que le peuple d'un chef.